Et c'est parti pour cette course longue de 25 tours, la deuxième et dernière course, la seconde course au Lyon de la soirée. Eh ben, décidément, Paul a du mal. C'est pas stable. En tout cas, ils sont partis. Donc, avec Jump en tête, suite Vince, Cortex 3, 4ème Sully, Cossi 5, 6ème Razor. Et Vince attaque déjà. Ah, attention, il est en difficulté, Vince. Ah, il est en difficulté. Ah, il avait... Il a peut-être freiné trop tard, le pilote de la Rev Team. En tout cas, il se fait passer par Cortex. Derrière, on a suivi Cossi, Razor, Damien. Tout le peloton derrière. Et vu, c'est un gros paquet. À partir de Servet, on a Ramucho qui est dixième. Ramucho, alors est-ce qu'on va avoir un Ramucho de gala à la façon qu'a eu Unfazed de la course numéro 2, lors de la course numéro 2, c'est-à-dire eh bien, qui a remporté les deux courses. On va le voir. En tout cas, on va revenir un peu sur le devant de la grille, parce qu'on a également une bataille pour la sixième place avec Razor, Damien et Bouya. Et devant, c'est très resserré également. Oh, attention, ça se bouscule légèrement. Jump toujours en tête. Cortex 2, Vince qui va tenter de reprendre cette deuxième place. Et il la reprend. Alors attention. Il est dans la ligne droite pour l'instant. Il est passé deuxième. Il est passé deuxième et on en vient à ce freinage en montée. Et Cortex, il a perdu gros là. Cortex, il a perdu très gros sur cette ligne droite puisqu'il est 5. Il est 5ème. Passé par Sully aussi. On va suivre un peu ce qui se passe derrière. Damien, il est 7ème. Bouya, 8ème. Ramucho, 9ème. Il est passé. Il a gagné une place, le pilote de la GTWGP. Servet, 10ème. Petit Fuchs, 11. Le Duc, 12. Et 13ème, eh bien, Jimmy. Jump, une seconde d'avance sur Vince. Sully est 3ème. Sans ça ne change pas. Oh, Damien qui a loupé son freinage, visiblement. Ramucho est 7. Attention, ça va très vite. Il a 4 secondes... Attendez, je retourne ça. 5 secondes 6 de retard sur la tête de course. Derrière, on a Servet, 9ème, qui est en tête d'un gros train de pilote. On a Petit Fuchs, la belle opération pour Petit Fuchs, 10ème, qui est passé à l'intérieur. Et Ramucho, 6, qui a passé Razor. Ramucho passé 5. Ah, décidément, il est en forme. Hein. Il est en forme, vient de dépasser Cortex. Et devant, eh bien, on est toujours dans la même position. Jump, Vince, Sully, Cossi.
Ramucho n'est plus qu'à... Ouais, il est à 5 secondes de la tête de course. Avec près de 2 secondes de retard sur Cossi. Allez, en tête, eh bien, on a une bataille pour la première place. Jump Vince. On va rester peut-être sur cette bataille du coup pour l'instant. Et nous sommes donc dans le quatrième tour. Que nous allons bientôt terminer. Peut-être tenter quelque chose dans le virage numéro 1, hein, Vince. Non, il se remet sagement derrière. Qui résiste plutôt bien à la pression pour l'instant. Est-ce que ça va durer? Derrière, on a une bataille pour la troisième place, hein, celui Cossi. Ça se dispute également. Et Cossi est passé 3. Attention, elle va peut-être être recroisée. Sully, voilà, Sully recroise. Belle manœuvre des deux pilotes. Et Ramucho est là. Derrière, on a une bataille pour la 6ème place avec 4 pilotes, hein, Cortex, Razor, Damien et Servet. Alors est-ce que Vince va réussir à passer? Oui, peut-être là, sur la montée. Et il passe en tête Vince. Peut-être que Jump a pas dit son dernier mot hein, sur ce coup-là. Oh, attention Jump! Oh, là, il nous roule dans l'herbe et s'en sort bien. S'en sort très bien. Hein. On a frôlé le tête à queue. Et derrière, regardez Ramucho! Et qui a profité d'une petite légère erreur de Cossi là, et qui passe 4. Allez, devant lui, eh bien, il lui reste 3 pilotes. Hein, suivi Jump Vince, avec 3 secondes 3 de retard. On va regarder hein, peut-être également au niveau consommation, pneumatique et essence, ce qu'il en est. Jump, il est économe par rapport eh bien, au pilote de la Rev Team, Vince. Celui également. Ramucho consomme un petit peu plus. Normalement pour tous ces pilotes, hein, c'est une stratégie en un seul arrêt. Hein. Ouh, derrière, attendez, oh là là, Razor. Ouh, pou, 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 pou. Alors là, on est revenu en direct, on a vu Razor partir dans l'herbe. C'est pareil, hein, ça aurait pu être bien pire.
Ramucho, il est 3. Il vient de passer Sully. Allez, 8ème tour. Vince en tête, Jump 2ème, Ramucho 3ème, 4ème, Sully 5ème, Cossi. Le Duc, il est 6ème. Il y a un léger écart maintenant, 5 secondes hein, entre Cossi et le Duc. 7ème, Bouya, 8ème, Razor, Tifuche 9, 10ème, Cortex. Un peu plus loin, on retrouve Jimmy, Servet. Servet, il est 12. Ah oui, des côtes Damien. Des côtes Damien. Jump, il s'accroche. Jump s'accroche bien. Ce qui peut faire les affaires de Ramucho, qui n'est plus qu'à 2 secondes. Avec aussi distancé maintenant. 3 secondes de suivi. Le Duc, il est 6. 7ème place. Et bien on retrouve Bouya. Servet, il est très loin, 9 secondes. Et ouais, Servet, ça lui a coûté cher. Il y a un gros dégât à l'arrière. Ceci explique cela. Et ça revient, Ramucho, 1 seconde 6. Qui va peut-être tenter quelque chose hein, sur Vince. Les deux hommes quasiment côte à côte. Alors on va observer ça depuis la position de Ramucho, 3ème. Et Ramucho a fait la jonction. Voilà, du coup, Vince au pit. Ah, la stratégie en 2 arrêts hein, pour Vince, visiblement.
Et peut-être pour l'ensemble des pilotes, on va voir ça, mais ça sent peut-être un deuxième relais, notamment pour Ramucho, un peu plus sobre niveau consommation. Du côté du jump, c'est beaucoup mieux. Hein. Niveau carbu, il est à encore à 25%. Attention, bataille pour la 8ème place, Razor dehors, Razor dehors. Oh, il est pas passé loin de Jimmy. Ça sentait le carton cette affaire. Finalement Jimmy est passé, il est 8ème. Et Razor en bataille avec Tifuche maintenant. Ah, Tifuche qui a des dégâts également à l'avant, à l'arrière. Allez, on retrouve Jump. Oh, alors que Ramucho, pareil, à l'instant, il a dû faire une erreur, le pilote de la GTWGP. Alors, de toute façon, il va falloir qu'il passe au stand rapidement. Attention. Allez, partie de course délicate. Lui qui était si bien parti, eh bien maintenant, il va falloir qu'il fasse attention. Alors il est dans le 12ème tour, il va falloir qu'il fasse un deuxième relais à 13 tours. C'est faisable, largement. Mais attention à ne pas perdre trop de temps sur la tête de course. Du côté de Jump, eh bien pour l'instant ça se passe bien. Pas de dégâts, une consommation, eh bien ma foi, intéressante. On peut s'attendre à un deuxième gros relais de la part du pilote de la GT Boca. Ah, déjà courant sous les couleurs de la GTBE en tout cas. En deuxième position on retrouve Sully. Ramucho donc troisième, attention à Cossi. Attention à Cossi. Et voilà, vers Ramucho ça s'est joué à peu de choses. 1% de carbu. Le deuxième relais mérite, ouais, se prépare, est très intéressant, on va voir ça. Ouais, ouais, effectivement, hein, gros dégât chez Ramucho. Alors, pas de dégâts chez d'autres pilotes, donc sans doute une erreur individuelle. Alors attention à tous ces pilotes dans la réserve, il va falloir qu'ils passent au pit Cortex, c'est son cas. Vince, lui, il est 6ème après son arrêt. Alors, c'est pareil, hein. Vince, ce sera un deuxième arrêt pour le pilote de la Rev Team. Il y aura un deuxième arrêt. 7ème, donc Tifuche, 8ème Razor. Servé 9 en bataille avec Cossi. Et Jump s'est arrêté. Jump s'est arrêté. Ça va redistribuer Sully également. Ça va distribuer légèrement les cartes. Le Duc s'arrête. Cortex va s'arrêter également. Jimmy, lui, bien peut continuer. Il passe en tête. Alors, où on est Jump? Où on est Jump? Ça redistribue hein, forcément les cartes. Alors, pour un temps seulement, Vince 3ème.
il est ressorti. Et ça relance bah, notre duel. Jump Vince. Cette fois accompagné de Jimmy. Jimmy les accompagnera quelques tours seulement. Dans le meilleur des cas. Et Jump prend la tête. Allez, on va rapidement voir ce qui se passe derrière. Sully, donc il est quatrième. Cossi, cinquième. Ramucho, il est sixième. 10 secondes 8 de retard maintenant sur la tête de course. Le Duc, il est septième. Huitième, Bouya. Neuvième, Cortex. Tifuge, dixième. Alors, c'est un peu plus dispersé. Hein. C'est un peu plus dispersé. Razor, onzième. Et douzième place, c'est bien pour Servé. Jimmy Sully, bataille, Sully qui remporte cette troisième place. Jimmy, de toute façon, va devoir s'arrêter. On n'est pas dans la même stratégie de course. Oh, Jimmy, que fait-il? Attention à la panne, hein. Attention à la panne sèche. En tout cas, il est resté sur la piste. Ça va peut-être passer, on va voir. Si ça passe, ça se jouera très, très peu de choses. Eh bien, ça va passer pour Jimmy. Bonne stratégie. 1%, c'est bien joué. En tout cas, Jimmy est arrivé à bon port sans encombre. Et attention, bataille pour la deuxième place. Sully, Vince. Attention à ce freinage. Attention à ce freinage. Sully a le meilleur. Il est à l'intérieur. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué.
c'était compliqué pour Vince hein, dans cette situation de conserver cette deuxième place. Mais c'est pas terminé de toute façon. Il prend toujours ses virages à l'extérieur, Vince. C'est pas une erreur, c'est sa manière de le prendre, ce dernier virage, visiblement. Ça baisse très progressivement pour Ramucho. Il est toujours après 10 secondes. Le Duc, il est 6ème, 7ème place. Et bien on a une bataille. Cortex Bouya. Oh, Cortex qui a attaqué comme un dingue ce virage. Il reste 8. Neuvième et on retrouve Jimmy. La 10ème place, eh bien pour Petit Fuchs, la 11ème pour Servet. Et la 12ème pour Azor. Avec en plus une pénalité du seconde 5 pour le pilote. Et Vince qui reste au contact hein, de Sully. Alors même s'il ne pourra pas vraisemblablement rester troisième jusqu'au bout, ça sera compliqué en tout cas. Là, ce sera même impossible. Il reste 6 tours et demi. Il repasse deuxième. Est-ce que Sully va pouvoir recroiser dans le prochain virage? Non. Il va tenter de prendre l'intérieur. C'est bien joué de la part de Sully qui repasse deuxième.
Du à toi, moi. Ouais, attention, léger contact, pas de dégâts. Et Vince repasse deuxième. Alors, pilote Rift Team va-t-il pouvoir passer dans ce tour au pit ? De rentrer dans la réserve. Du côté de Ramucho, on est passé 4 et il reste encore 9 secondes 3 à aller chercher. Et Jump est peut-être bien parti là. Et voilà, Vince qui rentre avec 4% de carburant. Il n'aurait pas pu faire un tour de plus. Alors, est-ce que Jean va pouvoir remporter cette course numéro 2? En tout cas, il lui reste bien un peu plus de 4 tours à boucler. Sully, pour l'instant, deuxième. Ramucho, il est troisième. Quatrième, Cossi, le Duc, très près par le Duc, les deux pilotes de la Gold Team Racing. Cinquième, et bien Vince, qui a fait le petit complément nécessaire. Et là, ils sont 3 pour la 7ème place. On va les suivre quelques temps là. Jimmy, Bouya, Cortex. Attention, Cortex en difficulté. Et Jimmy, ouais, les appels de phare de Jimmy là. Il se présente derrière Cortex. Allez, Cortex dans la spi. Au freinage, ça donne quoi? Léger contact. Attention, passage en force, attention. Oh là là là. Oh, c'est litigieux, c'est litigieux. Ouf. Attention, attention, pas de réponse trop agressive. En tout cas, Cortex est passé. Ouais, Bouillant en difficulté. Ouais, Bouillant en difficulté. Jimmy va passer. Et attention parce que derrière, on a Petit Fuchs également.
Allez, les deux pilotes sont revenus sur Jimmy. Il a deux GTWGP juste derrière lui. Attention, c'est disputé hein, entre les deux pilotes. Il n'y a pas d'esprit de team qui tienne là. On va tout donner. Attention, attention à ce freinage. Et petit Fuchs est passé. 9e. Non, Jimmy est repassé. De revenir sur le dernier tour de Jump qui va sans doute l'emporter dans cette course numéro 2. Sully est deuxième, Ramucho troisième. Voilà peut-être bien le podium de cette course numéro 2. On va rester sur le pilote leader de cette course jusqu'à la fin maintenant. Allez, les deux derniers, trois derniers virages. Et Jump qui remportera pour la GTBE. Eh bien, cette course numéro 2 du Lago Maggiore West. Après 25 tours, le voici qui se présente. Le drapeau à damier agité. Et la victoire de Jump dans cette course. Deuxième place, eh bien, pour Sully. Deux GTWGP au troisième place, deux trois premières places avec Ramucho, troisième, belle troisième place tout de même pour le vainqueur de la course numéro 1, quatrième Le Duc, suivi de son coéquipier Cossi. La sixième place pour Vince de la Ref Team, septième place, eh bien c'en est pas terminé, on a toujours cette bataille entre GTWGP également. Cortex se présente dans le dernier virage, large, Melilla, septième. Et qui sera 8ème, eh bien ce sera Bouya juste devant Petit Fuchs. Servet 10ème pour la BSR. 11ème, eh bien Razor. Oh attention, c'est pas assuré. Ouais, Jimmy il est 11ème, hein, il est très loin. Eh bien Jimmy 11ème et Razor 12. Et donc, eh bien voici. Le classement, et oui encore des pénalités, mais bon rien de grave. Et donc eh bien la victoire, elle revient à Jump dans cette course numéro 2.